plupart des procédures de fonctionnement standard doit être autorisée par le directeur. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Je m'excuse, mais la galeria est fermée. Revenez aux heures d'ouverture. Qu'est-ce que ce sera ? Juste un café ? C'est tout ce que vous avez ? Je vous proposerais bien un de nos célèbres donuts, mais je crains qu'il ne soit rassis depuis quelques semaines. Maintenant que j'y pense, tout le reste aussi. Il ne reste que le café, en fait. Puis-je vous en offrir une tasse ? D'accord. Tout de suite. Chez Slocum's Joe, nous faisons toujours chauffer notre café à la température idéale de 93 degrés Celsius. Je vous conseille de vous écarter.
Voulez-vous un bon café bien chaud? D'accord. Tout de suite. Chez Slocum's Joe, nous faisons toujours chauffer notre café à la température I. Je vous conseille de vous écarter. Qu'est-ce que ce sera? Juste un café? Il n'y aurait pas une fuite de gaz ici? Oui, en effet. J'ai appelé les services de réparation il y a une cinquantaine d'années. Mais ils prennent leur temps, semble-t-il. Enfin, ce n'est pas plus gênant que ça. Bref, je vous sers un café? Peut-être plus tard. Pas de souci, je serai là. Voulez-vous un bon café bien chaud? D'accord. Tout de suite. Chez Slocum's Joe, je vous conseille de vous écarter. Veuillez prendre un numéro pour vous faire servir plus rapidement. Numéro 12. Quelqu'un va bientôt s'occuper de vous. Le 13. Numéro 13. Veuillez attendre qu'on appelle votre numéro. Bien. Le 14. Attendez votre tour. Le 15. Personne n'a le 15. Attendez votre tour. Numéro 16. 16. Veuillez attendre qu'on appelle votre numéro. Le 17. Numéro 18. Le 19. Croyez où? Dehors! Allez, fichez le camp! Sortez de ma cuisine! Allez, dehors! Bien, réessayons. Quelqu'un va bientôt s'occuper de vous. Numéro 2. Là, êtes-vous ici pour faire des achats? Écoutez bien, chaque article de ce magasin est à sa place, au millimètre près. J'ai mis des années à tous les mettre en ordre. Vous pouvez regarder si vous voulez, mais ne touchez à rien, j'insiste. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, n'y touchez pas. Je vous surveille.
maintenant. Vous devez mourir. C'était quoi ça? Message à l'attention de Robert Cooper. T'as fait du bon boulot, Bobby. T'inquiète, la femme et la gamine diront que dalle. T'as rien à craindre. En fait, quand les chèques de l'assurance vie commenceront à arriver, Madame Montrano regrettera que son gros porc de mari soit pas mort 5 ans plus tôt. Et pour ce qui est de la suite, c'est à toi de voir. La plage, la boutique de sandwich, la casse. À toi de voir où tu veux te débarrasser du corps. Du moment que Johnny Senior découvre jamais ce qui est arrivé à son petit connard de fils, ça me va. C'était un message de la part d'Eddie Winter.
autre colonie nous a contactés pour nous demander de l'aide. Je vais l'indiquer sur votre carte. Allez voir ce que les gens veulent. Ce serait bien de rallier d'autres colonies à notre cause. Restez en alerte. Ne baissez pas votre garde. Salut. Le repère de Randolph est resté silencieux depuis le standard. Mais une de leurs boîtes aux lettres mortes a refait surface. Dez veut que vous alliez voir. J'espère que ça veut dire que Randolph est sain et sauf. Ce serait bien d'avoir de bonnes nouvelles pour changer. Allez voir Dez dès que c'est fait. Alors, vous avez fini la plateforme? L'heure tourne. J'attends, moi. Oui, c'est fait. La plateforme est terminée. Au fait, j'ai comblé les lacunes des plans. On va pouvoir la construire, cette foutue machine. La technologie de ce truc est monstrueuse. Mais, heureusement pour nous, ses composants sont assez ordinaires. Cela dit, il y a trois éléments spécifiques qu'on ne trouvera pas dans nos repères. Si vous mettez la main dessus, on pourra aller toquer à la porte de l'Institut. Merci, Tom. Je les trouverai. Je n'en doute pas. Quand vous aurez le matos, retrouvez-moi sur le chantier. Comment vous avez fait pour rentrer avec ce machin? J'adore les bidules de l'ancien monde. En plus, ils valent leur pesant d'or. J'espère que vous enlevez tout cet attirail quand vous êtes en mission d'infiltration. Bienvenue dans la famille. On est des gens pittoresques, et tous plus ou moins dingos. Mais va falloir vous y habituer. D'ailleurs, puisqu'on en parle... Thank you.
Identifiez-vous. Ce truc n'est vraiment pas de la première jeunesse. Okay.
étage. Tiens bon. Vous avez besoin d'aide pour l'intercepteur ? Ce truc va être énorme. On va enfin comprendre ce que l'Institut fabrique réellement. Comment on va fabriquer cette console de commande ? Chacun de vos atomes et molécules doit être classé puis converti en données numériques pures. C'est un sacré mélange de biologie et d'informatique en fait. C'est dingue, hein ? Les hôpitaux doivent avoir l'équipement qu'il vous faut. Vous avez besoin d'aide pour l'intercepteur ? Ce truc va être énorme. On va enfin comprendre ce que l'Institut fabrique réellement. Je ne sais pas trop où me procurer les pièces de l'émetteur de rayons. Il faut du matériel high-tech pour ça. Un circuit imprimé de qualité militaire. Vous devriez trouver votre bonheur dans une base de l'armée.
Salut. Vous avez besoin d'aide pour l'intercepteur? Ce truc va être énorme. On va enfin comprendre ce... Maman Murphy, tiens. Toujours ses promesses. Plus de drogue, plus d'illusions.